Ah non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Ah. Gérard, bonjour. Ah, bonjour. Bienvenue dans votre région. En fait, tu es là pour le salon du livre, organisé par Pierre Bonzi. Ouais, Pierre Bonzi, je vais le dire. Donc, je suis là pour le salon du livre, organisé par Pierre Bonzi, avec un Z, d'accord? Mais ça fait italien comme nom, je trouve. Et c'est pas la première fois que tu es dans la région, puisque... Il s'en fout, j'ai dit ça fait italien, il écoute même pas. Mais si, non, non, c'est pas la première fois. Mais là, est-ce que je suis en Picardie ou je suis en Normandie? Là, attention, les gars. Alors là, on est au Boitis, donc on est en Picardie, d'accord, dans les Hauts-de-France. D'accord, parce que j'ai pas mes papiers, mais j'ai les vaccins, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Pas de problème. Donc je disais, c'est pas la première fois que tu es dans la région du Tréport, puisque tu as tourné le troisième épisode de la série L'Instit. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs de, de ce tournage qui remonte à il y a 30 ans? Non. Hop, une autre question. Ah, t'es bien emmerdé là. Non, je rigole, je rigole. Bon, sûrement, il y a des souvenirs. Tu vois. Non, en général, tu réponds non et t'es tranquille. Et alors, non, mais je voulais savoir comment on disait bonjour en Picardie et comment on disait bonjour en Normandie. Avant de répondre à la question, il n'y a rien de particulier. Bon, c'est tout. Au moins, j'ai la réponse. Donc, c'est la même chose. Les souvenirs que je peux avoir de ce tournage, c'était il y a 30 ans quand même, hein, en Normandie. C'était le réalisateur qui s'appelait Jacques Herteau. Bonjour, monsieur. Il y a des jeunes qui courent. Il faut arrêter ces trucs-là. Il faut arrêter les conneries. Hein. Eh, arrêtez chaud, hein. Non, mais... Et donc, vous pourriez préparer des homards. Et le réalisateur, je lui ai dit, je lui ai vendu quand même l'affaire, ça serait plus facile de manger des homards. Parce que si on fait la prise une fois, deux fois, ah d'accord, d'accord, ah, je crois qu'on en a mangé 6 ou 7. Donc très très bon souvenir de homard. Sharif. Donc tu es là pour le salon du livre de Pierre Bonzi, et alors là, maintenant, italien. Oui, bien sûr. Bon, et tu es là parce que tu viens d'éditer un livre. Oui, oui, une œuvre. Victor Hugo à côté, c'est un rigolo. 80 pages pour 80 ans. Mais bien sûr, que Victor n'y a jamais pensé. Et alors là, le monsieur qui est en train de me filmer, regarde, sous... son téléphone qui est horizontal, maintenu par un petit truc, donc j'explique aux gens, parce que tout le monde fait des images maintenant. Donc, avant, je regardais le téléphone, mais maintenant, je regarde en dessous, ce qui fait que je louche. Donc, je ne sais pas qui je regarde. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais non, arrête, arrête. Je vais continuer dans les souvenirs. Je me démerde. Donc, il y avait le réalisateur qui piétinait sa casquette, il y avait Isabelle Nanty, si je résume les souvenirs. La région des falaises qui vont de... Oui. Moi je vais mettre une casquette, c'est mieux. Ouais, je suis là, le vieux est chaud. Ah oui. Ah ouais, non, il va manquer les lunettes. Oui, mais je chauve-souris. Non, je ne mets pas de lunettes, regarde. Oui. Et alors ah ben non, t'as repris le micro. Ouais. Et ça casse. Ah ouais c'est ah non, 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 il y a le truc. Non. Je vais dire des conneries. Je vais l'allumer. Eh, faut raconter les conneries, hein, sinon ça fait chier tout le monde. Mais hein. Non. Ah ouais. Non, 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 mais faut déconner. C'est pas la peine sinon. Vous avez la chance d'être complètement libre. Ouais, complètement. Ouais. C'est bon, il tient. Donc voilà, je me suis fait engager par les deux régions, la Normandie et la Picardie. C'est tout. Le Focus, on m'appelle. Donc je suis le premier guide bivalent, d'accord? Ce que vous avez en bas, on appelle ça la mer. C'est comme une énorme flaque d'eau dans laquelle vivent des poissons. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que vous avez remblayé en bas? Monsieur, vous pouvez me répondre, qui êtes derrière la caméra. C'est comme du remblai, en fait. Vous avez mis du ciment, là, on voit bien. Pas du tout, il n'y a rien du tout. Mais si, regardez. Mais non, ce sont des rochers. Des rochers, vous appelez ça? Ouais. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est la falaise qui s'est éboulée et qui crée l'estran. Elle a mis combien de temps à faire ça, la falaise? Un millier d'années. D'accord, donc c'est la falaise qui va s'écrouler et qui nous fait un fond raide comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de poissons là? Oui. Il y a du maquereau, du merlan, de la sole, ouais. Du turbo. Ah oui, oui. Et alors j'ai remarqué un truc, c'est que dans le... Bon, évidemment, je rigole. Hein. C'est que on a l'impression
là-bas, il y a un ou deux endroits, comme si ça avait été découpé pour faire un bac, pour faire un bassin. C'est pour retenir l'eau, pour piéger les poissons? Non, pas du tout. Pas du tout? C'est la mer, et souvent, ce sont des empreintes de blocos. D'accord. Qui tombent, et puis qu'on a enlevé, et il reste la trace. Ah, ben voilà, c'est ça, je ne comprenais pas. Ah non, c'est magnifique, vraiment. Et c'est vrai que j'étais venu là il y a 30 ans, mais quand on tourne, entre guillemets, c'est un vrai travail, donc en fait, on n'a pas forcément le temps d'aller voir ce qu'il y a autour du décor dans lequel on évolue tous les jours. C'est vraiment un bel endroit. Toute la côte est belle. Vraiment. Parce que là, l'Angleterre est pas loin. Il va falloir arrêter de nous filmer, monsieur. Là. Vous commencez à nous saouler, là. Ça va. Hein. Je filme pas. Nous, on est tranquille. Je filme pas. On fait du tourisme, c'est sympa, Flo. Je te le dirai à chaque fois quand même. Il va falloir arrêter de nous filmer. Monsieur, ça suffit. Donc là, on arrive vers la location que j'ai prévue pour le mois d'août avec ma femme et mes enfants. C'est un petit endroit. Il y a plusieurs chambres. C'est content. Et puis à gauche, j'ai fait construire une petite tour pour voir la mer un petit peu mieux. Petite tour avec le numéro en haut. Là, rouge. Pour les enfants, c'est pour jouer. Voilà. Et monsieur, s'il vous plaît. Arrêtez! Donc ça, c'est un jouet que vous avez eu pour Noël. Oui. Oh, vous en êtes content? Oh, très. Oh oui. Mais alors, je veux vous dire un truc? Oui. Il faut arrêter de nous filmer. Vous prenez les cartes de crédit? Ouais. Je vais vous donner quelque chose pour que vous arrêtez. Comment vous arrêtez? Vous arrêtez de nous filmer. Vous voulez quelle banque? Mais le nombre de rigoles, mais il est plus là, à mon avis. Il y a un moment que vous ne filmez plus là. Vous continuez là. Excusez-moi, monsieur. Quand je suis avec des officiels, la priorité c'est l'officiel. Arrive.